Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle saison du Mister Test, ici à Serre Chevalier. J'ai testé pour vous le Kessler FX 85 HP, HP pour haute performance. Il y a la version qui n'est pas HP, c'est un renfort titanal qui fait la différence entre les deux. C'est un ski qu'on avait eu sur les tests comparatifs du magazine, dans une gamme All Mountain, mais il y a des performances telles sur piste que c'était intéressant de le tester dans ces conditions. Neige ultra compacte, voire glace, qu'on a dû éprouver. Alors, le FX 85 HP, il fait 799 € nu. Il est dans une construction champ droit avec un léger rocker. Sur piste, il réagit et il fonctionne comme un ski piste performance. Il a une conduite très progressive, très sereine, même très puissante. C'est assez étonnant par rapport au rocker qu'il a et à sa physionomie. En grande courbe, c'est purement un régal, un ski qui délivre de l'accélération, qui est sécurisant parce qu'il a beaucoup de grip. Maintenant, un ski qui requiert de l'effort pour marcher. L'effet spatule n'est pas forcément énorme. On a ce léger rocker qui amène du pivot, mais qui n'aide pas à vous prendre en charge dès le début de la courbe. En revanche, si on lui rentre dedans, le ski délivre de la puissance, de l'accélération. Il va vite. Vraiment des vraies sensations de ski de piste pair, voire de piste race, avec un All Mountain. En petite courbe, en 173 cm, c'est pas là où il s'exprime le mieux. Je dirais que c'est plus en moyenne et grande courbe, bizarrement, parce que c'est pas une taille très grande. J'imagine que c'est par son effet spatule qui est pas forcément énorme et sa prise en charge en début de courbe. En revanche, on arrive quand même très bien à le faire tailler, à le travailler sur un rayon moyen et court. Il faut y aller, il faut accepter aussi son rebond. Mais un ski avec un toucher de neige et une qualité d'accélération assez exceptionnelle pour son programme. Un ski avec des qualités de conduite excellentes, beaucoup de grip, beaucoup de stabilité, beaucoup de vitesse en courbe, il faut être éveillé pour le skier. Je le conseille aux bons et très bons skieurs qui veulent un ski polyvalent, mais qui passe 80% de son temps sur la piste.